Allez, c'est parti. Bonjour à tous. C'est Hooper. Et donc, on se retrouve pour une nouvelle session de 1 contre 100 en ce mardi 1er décembre, si je ne me trompe pas, mais je peux me tromper. Et comme vous le voyez, aujourd'hui, nous avons des guests. Monsieur Zygomar, Monsieur Star Rider et Monsieur Naito, qu'on ne présente plus. Zygomar, il représente le profil du Hooper. Attention. Style Rider, ben c'est quelqu'un qui met beaucoup de commentaires vidéo. Et Naito 75 évidemment. On en reparlera parce que ça commence déjà. Question numéro 1. L'honneur de Hooper est en jeu sur cette session. Dans quelle vidéo doit-on casser les tonneaux avec un marteau? Attention, si là il n'y a pas le cadenas doré. Oh là là là, et je suis le seul à voir le cadenas doré. Ouh, ça commence bien. Ouh, nom de Dieu de bouse. Je crois que là déjà, voilà. Il fallait ça pour se mettre en jambes. Là déjà, ils ont compris à qui ils avaient affaire. Voyons tous les résultats. Alors, ils ont tous eu bon, ça va. C'est quand même extrêmement simple. Évidemment, il s'agissait de Donkey Kong avec Mario qui frappe des tonneaux que Donkey Kong lui envoie. Quelle magnifique réponse du Hooper. Dans quel jeu peut-on utiliser une masse pour tuer des zombies? Oh putain, c'est quoi ça? Dead Rising! Oh putain, encore le canadoré. Oh les enfoirés! Ah, ils sont motivés! Ah là, ils sont motivés! Ils ont tous eu le canadoré! Ça veut dire qu'ils ont tous répondu en une fraction de seconde, comme le Hooper. Eh bien, décidément, je ne regrette pas d'avoir fait ce fameux direct live sur Dead Rising. Sinon, j'aurais été dans la merde. Alors, j'ai eu de la chance. J'ai eu de la chance sur ce coup. J'aurais pu me faire niquer. Comme vous le voyez, pour l'instant, le Hooper est en tête. Mais comment pourrait-il en être autrement? Dans quel jeu Mario garde-t-il le grand singe Donkey Kong en cage? Donkey Kong Junior. Attendez là. Ouais, je suis presque sûr que c'est Donkey Kong Junior. Bon, c'est pas le Country, ça c'est sûr. Et la bonne réponse. Moi, j'ai pas eu le doré, mais bon. Ouais, c'est ça, c'est bon. Oh, Naito! Mais qu'est-ce que t'as foutu, mon Naito? Qu'est-ce qu'il a répondu? J'ai pas vu. Je crois qu'il a répondu la dernière réponse tout à droite. Mario, je ne sais plus. Super. SMM, machin chose. Eh non, mon Naito, tu t'es trompé, mais c'est pas grave. Je sais que tu vas te rattraper. Dans The Legend of Zelda, Link doit trouver tous les morceaux de quoi? Bon, alors là, franchement, si j'ai pas le cadenas doré... Oh putain, ça, c'est du beau, ça. Oh, Naito. J'espère que t'as eu bon, mon Naito. Évidemment, c'est la Triforce, bien sûr. Dans tous les Zelda, ou presque, pas tous, ça dépend, ça dépend. Dans Link's Awakening, on ne fait pas mention de la Triforce. Dans certains Zelda, on ne parle pas de la Triforce, mais évidemment, dans la plupart des opus de la série, on en parle. La force, le courage, je crois, et la sagesse, je sais plus. La force, le courage, et autre chose. Les trois esprits fondamentaux des Zelda. Quel est le son du boxeur Manny Pacquiao? Oh merde, c'est quoi ça? Allez, le défenseur. Alors là, j'en sais rien, c'est soit... Oh putain, c'était sur un berserk. Ah, j'aurais dû... Faites que ce soit le A. Et la bonne réponse. Oh putain, non. Oh non. Oh putain, j'y crois pas, c'était Pac-Man. Quoi? Voyons. Mais attendez, c'est quoi ça? Alors là, j'ai pas de regret, je ne savais pas du tout. Mais je ne savais même pas que Pac-Man avait un... J'ai rien compris. Je me suis fait niquer. Oh putain, il y a Steel Rider qui est passé en tête. Quel film n'a pas été adapté en jeu vidéo sur Super Nintendo? Je devrais y arriver. Non, putain non, je voulais mettre Animal House et j'ai mis Batman le défi. Bon, c'est pas la famille Adam, ça c'est sûr, parce qu'il y a une adaptation. Je voulais... Oh putain, non, ça va être catastrophique. Je me suis gouré. Je me suis planté, je vous assure, je voulais mettre Animal House. Et j'ai mis Batman le défi. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu, je vais être troisième avec ces conneries. Alors, bon, Steel Rider est en train de s'envoler. Prochaine question. Oh là là là, mon Dieu, c'est catastrophique. Naito est passé devant. Quel gangster est l'héros du jeu GTA San Andreas. Je crois que c'est... Ouais, c'est Carl. C'est Carl C.G. Johnson, j'en suis pratiquement sûr. On va vérifier ça. Je suis presque sûr que c'est Carl C.G. Johnson. À 99%, ouais, c'est ça, c'est bon. Oh, quel con sur le truc de Animal House, là. Je me suis bien fait avoir. C'est catastrophique. Bon, je pense que Style Rider est assez fort, hein, parce qu'il m'avait dit qu'à la session précédente, celle où je vous avais fait une vidéo, il avait fait 32 bonnes réponses sur 37. Ce qui est
Très bon. Comment s'appellent les monstres rouges dans Dig Dug? Aucune idée. Allez, on va mettre les Pukas. Mais vraiment au hasard, je n'en ai aucune idée. Aucune idée. Ziggomar et Stalrider ont utilisé la protection, comme vous le voyez. Et Naito a mis la réponse A. Oh, là j'ai eu de la chance. Là vraiment j'ai eu de la chance, merci. God est avec moi. God is for me. Je ne savais pas, vraiment au hasard. Aucune idée là. Vous me direz si c'était une question facile ou difficile. Pour moi c'est vraiment une question difficile, étant donné que je ne connaissais pas du tout. Bon. Quel est le seul membre féminin des 4 rois dans Vampire Reign? Oh là là, mais qu'est-ce que c'est que cette question, quoi? Ok, on va passer. Est-ce que je peux passer? Oui. J'en sais rien. J'en ai aucune idée. Putain, c'est vraiment des questions chaudes, quand même. Et la bonne réponse est... Ils ont tous les deux mis la réponse A. Ah, ils le savaient. Ah, ils le savaient. Ziggomar et Stalrider, ils connaissaient cette réponse. Combien de joueurs éliminés? C'est complètement ouf, hein. En fait, je me rends compte que je suis complètement à la ramasse. Mais sérieux, je suis complètement à la ramasse. Pas mal. Si c'est... Je suis combien, là? Je suis second, putain, mais Stalrider, il est déjà 4000 points, 4500 points devant. Ah, première entrée. Alors, peut-être... Peut-être que Stalrider va parler. Je vais augmenter le son. Parce qu'on avait conclu ça, peut-être, pendant les entractes. Premier entracte, Stalrider. Second entracte, Naito. Troisième, Ziggomar, s'ils le veulent. Pour l'instant, j'entends rien. Non, je pense qu'il va pas parler. Parles-tu, mon style? Non, il parle pas. Non. Bon, disons que vous avez trop de fenêtres ouvertes et vous voulez... Non, il parle pas. Eh ben, tant pis. Bon, regardons un petit peu les statistiques. Non, c'est pas ça. Alors, Select, peut-être, voilà. Comme d'hab, les premiers, ça se joue dans un mouchoir de poche. Hein. 14200 à 14500. Eh, mais attendez, mais s'il faut, le Style Rider, il est dedans, hein. Voyons. Non, il y est pas. Non. Il y est pas, mais il pourrait y être. Il me semble qu'il a 14000. Attendez, il y est ou pas? Je vois. C'est écrit tellement petit. Okay. Non, non, il y est pas, il y est pas, il y est pas. Il y est pas, mais il doit pas être loin. Hein. Ah non, non, il a 13500. Putain, en fait, il a eu réponse à tout. Ah, les fameuses questions bonus. Le jeu d'arc à Commander Spain n'a pas été vendu dans une boîte de couleurs. Putain, mais qu'est-ce que c'est que ces questions là, mords-moi l'œil. Allez, on va mettre trois arts. Allez, je mets rouge. C'est qui tout double? C'est qui tout double? Mais qu'est-ce que tu veux répondre à ça? Sérieux? Ils peuvent pas le savoir, ils ont mis B. Tout le monde a faux. On a tous faux, c'était noir. Mais sérieux, ces questions, quoi. Mais sérieux. Tu peux pas répondre à ça. Non, mais tu ne peux pas. Franchement, on ne peut pas. Personne peut répondre à ça. Super. Alors, on est 17 000 apparemment, hein, à jouer. Il y a eu 12 000 mauvaises réponses. Mais qui c'est ça, quoi? Quel type de jeu est Battlehawks 1942? Allez, je mets simulation de vol. Parce que ça me semble... S'il faut, c'était du FPS. Hein. Soit simulation de vol, soit FPS. Mais franchement, si apparemment, ils ont tous mis ça, c'est bon. Ils ont tous répondu la simulation de vol. Mais je dois bien avouer que je ne connais pas une fois de plus. Hein. Battlehawks. Je connais pas. Putain. Steel Rider, il est toujours extrêmement haut. Putain, quand même, à 14460, je dois bien avouer qu'il m'impressionne. Honnêtement. Quelle est la suite de Zaxxon en... Putain, mais encore! Ils avaient déjà eu Zaxxon. Allez, super Zaxxon. Super, je n'en ai aucune idée, mais Zaxxon Blast, ça me dit rien. Zaxxonista, ça sent un petit peu chelou. Oh non, mais ils peuvent pas savoir ça! Oh oui! Oh, j'ai eu peur parce qu'ils avaient tous répondu A. Les trois autres, Ziggomar, Stalrider et Naito, les trois, ils avaient tous répondu. La réponse, je ne sais plus ce que c'était, enfin, j'ai eu bon. Et là, honnêtement, c'était le bol. Vraiment, c'était le bol. Mais je devrais pas dire ça, je devrais dire, mais je le savais. Mais évidemment que je le savais. À quel Yoshimoto n'est-il pas associé? FF, putain, j'aurais dû... Ah, j'ai pas répondu. Ah, le Stalrider a c'est un bon, cette espèce d'enfoiré. Ah, il a eu le cadenas doré. Dès qu'il a vu le FF, et mais j'ai été con. Ah, Naito, non, Naito. Ah non, là non, Star Fox, Starwing, Miyamoto, Nintendo. Eh non, mon Naito. Ah, Steel Rider est quand même très 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 fort. Ah ouais. Premier Steel Rider, second le Hooper, troisième Ziggomar, quatrième mon Naito. Mon Naito, qu'est-ce que tu fous? Faut absolument que tu te remettes. La musique de quel ballet est présente dans la version Nintendo Tetris? Ah là! Le lac des cygnes, putain. Répondez
Non, c'est bon, personne. C'est le lac des Cygnes, c'est ça? Attendez. 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 La bonne réponse. Attendez. Est... Oui, je pense que c'est ça. Oh, putain de merde. Naito, il a eu bon. Casse-noisette. Mais quel con. En plus, le lac des Cygnes, je l'ai re-entendu quand j'ai fait la vidéo de Mario. Comment c'est quoi déjà? Mario et Sonic aux Jeux Olympiques d'hiver. Quand je fais le patinage, je mets le lac des Cygnes et c'était pas ça. Quel abruti. De quelle couleur est généralement le chapeau? Oh putain, non, pas ces questions. C'est jaune. C'est jaune. Steel Rider, tu t'es gouré. Steel Rider, j'ai vu que t'as mis le cadenas doré avant qu'il y ait la réponse jaune. Et la bonne réponse. Oh, là, je le sens bien pour moi, là. Quoi? Mais attendez. Le chapeau de Wario. Combien de joueurs éliminés? Mais qu'est-ce que c'est que cette blague? Attendez, attendez, attendez. Le chapeau de Wario, il est jaune. D'accord. Il est pas violet. Oh non. C'est parti. Mais non. Attends, je suis pas d'accord, là. Je suis pas d'accord, là. De quelle couleur est généralement la robe de la princesse Daisy? Mais qu'ils arrêtent avec ces questions sur la couleur. C'est rose. Donnez c'est rose. Réponse. La princesse Daisy ou... Non, oui, c'est rose, c'est rose. C'est rose et j'ai même pas eu le cadenas doré. Mais sérieux, j'étais complètement... Quoi? Mais qu'est-ce que c'est que c'est... Mais qu'est-ce que c'est que cette blague? Maintenant, attendez. La robe de la princesse Peach est jaune maintenant. Excusez-moi, mais dans Mario 64, quand on est à la fin, quand la princesse Peach embrasse Mario sur son nez, son truc, elle est rose. Hein. Excusez-moi, hein, c'est pas jaune. À son lancement, quelle est ta capacité du disque dur de base de la PS3? C'est 60. Donc là, je réponds direct. C'est pas possible. Mais sérieux. Mais j'y crois pas. Toutes les questions qui demandent... Où ça part de couleur, je me fais niquer, quoi. Le chapeau de Wario, ouais. Comme si je le savais pas. Mais il est jaune. Pour moi, il est pas violet. Pour moi, il est jaune, le chapeau de Wario. Il y a un gros souci, là. Ils ont confondu avec Waluigi ou quoi? Putain, je suis dégoûté, sérieux. Ah, je suis dégoûté. Je me suis fait rattraper par Zygomar, par Style Rider qui s'est complètement envolé comme un moineau. Pour J.F. Metallica, Guitar Hero est une drogue qui mène vers. La vraie musique, je dirais. Bon, ouais. Les drogues dures, il a pas pu dire ça. Je dirais qu'il a dit la vraie musique. Laquelle est la bonne? Style Rider qui met le A. Oh, c'est bon, il a faux. Ça, c'est bon, ça. Ça, c'est bon, ça! Il est temps d'éliminer le mur. Bon. Ah, même Naito pourrait presque me rattraper. Ah, d'accord. Sérieux, je suis troisième. Je suis troisième, c'est okay. Pas possible. Bon, jetons. Ça peut pas se continuer comme ça. Ah, ça y est, c'est une entracte. Ah, peut-être Naito qui va parler. Obtenez des primes vitesse en répondant rapidement. Gagnez des primes supplémentaires en obtenant une série de bonnes réponses et récoltez des primes knock-out mafia en éliminant des joueurs mafia. Accédez au bilan du joueur en appuyant sur le bouton droit du déclencheur. Regardez quelles sont vos meilleures performances, le progrès de la saison, le niveau du joueur et les prix que vous avez obtenus. Bon, je crois que c'est fini l'entracte. Réponse. Bon, bah, bonne chance aux joueurs de me rattraper. J'étais juste stressé là, c'était ma sœur qui jouait. Voilà. Bonne chance à tous, bonne vidéo, rigolez bien. Bon, mais malheureusement, on n'a pas entendu grand chose parce que c'est un petit peu con. À cause évidemment des publicités, du volume sonore des pubs, on n'a pas entendu le Naito. Mais il a parlé. Je l'ai un petit peu entendu en fond sonore, mais j'ai pas vu. Franchement, c'est trop cri toujours. Alors là, je crois que c'est Monsieur Steel Rider qui n'est pas content. Le souci, c'est qu'à cause des pubs, on n'entend rien du tout. Alors peut-être que j'essaierai durant le montage. Bon, mais non, je peux rien faire. Vu que le son de leur voix, évidemment, est sur la même piste que le son audio du jeu. Donc forcément, si j'élève le volume, je vais également élever le volume de la publicité. C'est dommage, ça. Bon, il faudra que je voie pour la prochaine fois s'il y a moyen de gérer tout ça. Si on peut mettre la pub d'un côté et la voix des membres du groupe d'un autre. Parce que là, on entendait... Ah ouais, d'accord. En fait, c'est maintenant qu'il faudrait qu'il parle. Mais là, il n'y a plus personne qui parle. C'est maintenant qu'il faudrait parler. Bon, le jeu est reparti. On s'en souviendra pour la prochaine fois. C'est inutile de parler quand il y a la pub parce qu'on n'entend rien du tout. C'est inaudible. Question numéro 19. Faut absolument que je me rattrape. Quel jeu possède une touche Hyperspace? Qu'est-ce que c'est que ça? Star Wars?
Hyperspace. Veuillez répondre. Putain, bon, je protection. Hyperspace. Attendez, Space Invader, non. Laquelle est la bonne? C'est quoi ça? Ils se sont tous gourés. Bah, je savais pas, j'ai bien fait de passer. Space, mais ça veut dire quoi ça? Une touche hyperspace. Je sais même pas ce que c'est, quoi. Une touche hyperspace. Sérieux, mais il faut être un god pour répondre à ça. Faut être un god. Super. On peut pas sinon. Ils se sont tous plantés. Moi j'ai utilisé la protection. En question bonus x2, c'est là où il faut pas se planter. Quel est l'ennemi dans les jeux vidéo de la série Doc de Kemba? Ça, je le sais. Je réponds direct. Ah non, merde. Oh putain. Ah non, non, mais je pensais qu'ils allaient mettre des policiers cochons. Et là, j'aurais répondu. Des flics cochons. Là, j'ai répondu Docteur Proton complètement au hasard. Oh oui. Mais non, je retire ce que j'ai dit. J'ai pas répondu au hasard. Mais je le savais que c'était le Docteur Proton. Bien sûr que oui. Mais c'est ultra connu, ça. Ceux qui savent pas ça, c'est vraiment des super noobs, quoi. Bien sûr que c'est le Docteur Proton. Bien joué. En plus sérieusement, je pensais qu'ils auraient mis les flics cochons, les porcs. Mais non, carrément, ça va être probablement être le boss final. Quel nouveau Zelda fut annoncé? Ah, ça. Oh là, s'il n'y a pas du canard doré. Oh, et en plus, je suis seul à l'avoir. Oh là, je vais rattraper. Allez, Naito, ça, tu le sais quand même. On n'arrête pas d'en parler en ce moment. Voilà, ils ont tous mis X. Mais étant donné que je suis le seul à avoir eu le cadenas doré, je devrais engranger un petit peu plus de points que eux. Mais attendez, je rêve ou quoi? Mais attendez, je suis premier! Mais qu'est-ce qui s'est passé tout à coup? Et j'ai rien compris. Ah oui, oui, parce que c'était la question x2. C'était la question compte double et j'ai eu bon. Quel talent ce porc! À quelle série de jeux vidéo est ce vidéo que j'ai dit? Oh putain, alors là, évidemment que c'est du cadenas doré direct pour tout le monde. Ah, sauf Naito qui... Naito, il a un petit peu de mal. J'espère quand même que... Naito, c'est pas possible. T'as obligatoirement répondu X. Ah, c'est bon. Quand même, Metal Gear Solid. Bon. Mais attendez, je suis repassé premier grâce à la question bonus x2. C'est énorme. Ah là, il doit être dégoûté. Il doit être dégoûté, le Style Rider, là. Trop fort. Ah, je me voyais déjà dernier, quoi. Ah, c'est énorme ce qui s'est passé. Une espèce de retournement de situation que le Hooper apprécie. Quel oiseau voit-on dans Miss Pac-Man? J'en ai aucune idée, quoi. Miss Pac-Man, non, mais qui a joué à ça? Allez, on va mettre... j'en ai aucune idée. On va se protéger. Bim. Laisse tomber. Protection, j'en ai mais aucune idée. Miss Pac-Man, j'ai dû y jouer 5 minutes à l'époque. Je savais même pas qu'on voyait un oiseau, pour tout vous dire. Donc bon. Zygomar et Naito se sont trompés. Je crois que Steel Rider a utilisé sa protection tout comme moi. Et donc en fait, on ne perd pas notre suite bonus si on avait eu bon aux questions précédentes. Ben, je pense que c'est ça, mais je peux me tromper. Bon, je reprends espoir là. Qui a réalisé le film d'action Doom en 2005? Ah putain, attendez. C'est peut-être Paul Verhoeven, je suis pas certain. Oh là 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 là, je sais pas. Je peux pas passer, et merde. Merde, ça, je ne sais pas. J'ai mis Andrew Bastou, machin chose, mais honnêtement... Ah putain. Oh putain, j'ai encore bon. Et sérieux, God est avec moi. God is for me. Oh sérieux, là j'ai du vol. Non, là j'avoue, il y a au moins depuis le début... Peut-être 4 ou... Allez, au moins 4 questions dont j'ignorais totalement la réponse. Et vraiment, le hasard a fait que j'ai eu bon. Sur quoi nous dérouler? Ah, pour ça, c'est extrêmement simple. Évidemment, c'est l'Afrique. Tout le monde le sait. Hop là. Même si, honnêtement, quand on y joue, on en doute un petit peu. Bon, évidemment, il y a des noirs et tout ça. Mais à part le début du jeu, tout ce qu'on voit par la suite, les marées, tout ça... Moi, je me suis pas vraiment cru en Afrique, hein. À part encore une fois au début du jeu quand on est dans le village indigène et tout. Mais par la suite non, vraiment non. Bon, vous savez quoi? Je suis en train de reprendre du poil de la bête là. Vraiment, vraiment. Ah là on était 20 000, hein. Ça augmente. Au départ on était 13 000 je crois en tout, là on est plus de 20 000. Dans Juste, de quelle couleur est le chevalier avec la cigogne? Oh putain, j'en sais que dalle. Je préfère passer. Je préfère passer, je sais pas. Vu que j'ai la possibilité une fois de plus d'utiliser la protection... Qu'est-ce qu'ils ont mis? Zygomar et Naito ont répondu rouge. Oh, ils ont tous... ils ont pas de bol. Oh, sérieux, là, je compatis. Je compatis parce qu'ils ont vraiment pas de bol. À mon avis, ils ont été obligés de répondre au hasard et voilà. Et eux, par contre, ils ont pas eu de bol parce que c'était pas la bonne réponse. Bien joué. Continuons. Ça me fait marrer. Je suis désolé. De quelle couleur est Birdo? Oh, putain, attendez! Birdo! C'est rose!
C'est Ross, putain, j'ai failli. Oh putain, Naito et Zygomar, ils ont eu le cadenas doré sur ça. Ah, bien joué, ils ont réfléchi plus rapidement. Ah, sauf que Naito, il a mis la réponse A. Et non, Naito, c'est Ross, Birdo. C'est le premier boss dans Super Mario Bros. 2 qui nous lance des gros œufs là. Il fait peur, ce boss. Il fait peur, il fout les jetons. Moi, j'avais des cauchemars à l'époque. Et on le revoit dans... Je crois que c'est dans Mario Kart Wii, si je me trompe pas. Le jeu reprend. Je suis pas certain. Ah voilà, une entracte. Bon, attendez, on va augmenter le son. Peut-être qu'ils vont essayer de parler. Non. Je crois que personne essaye là. Non. Bon. Ah, vous savez quoi, je suis content. Bon, voyons un peu les statistiques. Hein. Voyons un peu là. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir là? Ça, j'ai pas compris. Donc, je suis niveau 3. Je n'ai aucune idée à quoi servent les niveaux. Voilà, si vous le savez, vous aurez qu'à me mettre dans les commentaires. Je ne sais pas. Je sais qu'à la fin de chaque session, on gagne donc 2 niveaux par rapport aux points. Probable qu'à la fin de cette session, je vais upgrader mon nombre de points. Donc, je vais probablement passer niveau 4 ou niveau 5. Mais à quoi ça sert, voyez? À quoi ça sert d'augmenter de level, en gros, comme dans un RPG? Ça, je ne sais pas. J'ai eu précision 53%. Comment je peux voir mon nombre de bonnes réponses? Ah, voilà. 20 sur 37 seulement? Ou alors 30 sur 37, je vois pas. Ah, seulement 20? Oh non, c'est ça. Précision 54%. Okay, tu te rends compte, j'ai seulement eu 20 bonnes réponses sur 37, apparemment. C'est peu, quand même. Tu te rends compte, c'est à peine un peu plus de la moitié. C'est peu. Qui n'étant pas obligé d'escorter dans GoldenEye 007. Pas obligé, attendez. C'est Boris ou Natalia? Ils n'étant pas obligé d'escorter. Ah non, non, c'était Natalia, quel con! J'ai mis Boris! Je suis sûr que c'était Natalia. Oh putain, c'est tous plantés. C'est quoi ça, le Docteur Duck? Attendez, qu'est-ce que c'est ça? GoldenEye, c'est un jeu que j'ai torché 205. Et Style Rider, il a eu bon. Attendez, le Docteur Duck, mais c'est dans quel level? C'était super hard, ça. À un moment, on doit escorter Boris jusqu'au computer. À un autre moment, on est avec Natalia. Je me rappelle pas du tout du Docteur Duck. Qui a épousé dans l'intérieur... Bon, ça va être Mila Jovovich. Attendez. Qui a épousé... Allez, tout le monde doit répondre. Oh, putain, je sais pas. Attendez. Laquelle est la bonne? Je suis qu'on en planté s'il faut. J'ai mis Mila Jovovich. Merci. Alors là, attendez. J'ai même pas bien compris la question. En 2009, qui a épousé Paul Verhoeven? C'est l'un des pires réalisateurs qui n'ait jamais vu le jour, si vous ne connaissez pas. Donc, sur le tournage de Resident Evil? J'ai pas mieux eu la question. Et sérieux, 32 000 là. Ah voilà, question bonus x2. C'est là qu'il faut pas se planter. Quel jeu de réalité alternée que l'on trouve dans Homme? Ah putain, en plus Homme, j'y étais, mais alors... Oh putain, j'en ai aucune idée. Je peux pas passer. Je m'échis. Alors là, mais vraiment au hasard. Hein. Style Rider, espèce de petit joueur. Bah, il a utilisé sa protection, cet enfoiré. Regardez. Ah merde, là j'ai pas eu de bol. C'était Exi. Oh l'enfoiré de Style Rider. Il va remonter du coup. Bon, Zygomar, il est à 21 800, il est un petit peu loin. Et Naito, il est à 17 000. Ça va être difficile. Mais Style Rider, il peut encore niquer cette espèce d'enfoiré. Il pourrait niquer. Quel est le plus haut niveau possible dans le jeu original Dig Dug? Encore Dig Dug, on avait déjà eu ça tout à l'heure. Allez, je mets 256. Au hasard. Au hasard, une fois de plus. Mais comment voulez-vous? Sérieux, comment? À part connaître bien le jeu. Oh, sérieux, si j'ai bon. Oh putain, je crois pas, j'ai bon. Mais évidemment, je connaissais la réponse. C'est extrêmement connu, ça. Dig Dug. Qui ne connaît pas ce jeu, bien sûr? Évidemment que le nombre de niveaux, je crois, oui. Que le nombre de niveaux maximum était de 256. Une autre question. Qui ne sait pas ça? C'est le béaba du jeu vidéo, tout de même. Combien Microsoft a-t-il vendu de consoles dans le monde en 2009? Alors là, je dirais... 20 millions. Donnez votre réponse. Attendez. Oh, c'est chaud, là. Là, il faut vraiment le savoir. Bon, alors, je peux pas dire. Je crois pas que ce soit 30 millions, ça me paraît quand même beaucoup. Oh, putain, c'était 30 millions. Et Naito, il a bon. Bien joué, Naito. Ah, c'était 30 millions. Combien de joueurs se sont... Ah, quand même. Et après, ils se plaignent. Sérieux? Mais c'est uniquement pour 2009 ou c'est en tout? Bien joué. Je sais pas. C'est parti. Je sais pas. Je sais pas si c'est depuis le lancement de la Xbox ou... Quelle était sur l'utilisation pour Nintendo 64? Les cartouches. Ouais, bon, ça c'est facile. Vous voyez, je veux dire, on alterne... Ça, franchement, qui ne sait pas ça? C'est...
C'est ça que je trouve un peu bizarre. On alterne les questions. Franchement, extrêmement simple. Ça, c'est quand même extrêmement simple. C'est vrai. Avec les questions, honnêtement, beaucoup plus difficile. Ils n'arrivent pas à trouver un équilibre. Vous voyez ? Ils n'arrivent pas à trouver le juste milieu pour les questions. Moi, j'ai envie de dire, c'est ça que je reproche à cette saison 2 pour le moment de 1 contre 100. Du moins pour les sessions jeux vidéo. Hideo Kojima a déclaré en 2009 qu'il était perdu dans la chronologie de quel jeu ? C'est quand même pas Metal Gear Solid. Allez, Metal Gear Solid. Allez, tout le monde doit répondre. Bon, j'ai pas eu le cas de n'adorer, mais enfin, être perdu dans la chronologie de Super Mario Bros, ça me paraît impossible. Et donc, les comptes pareils, donc ça ne peut que être Metal Gear Solid. En plus, évidemment, comme tout le monde le sait, c'est le développeur. Ben, ça paraissait, si vous voulez, tellement logique que j'ai hésité avant de mettre Metal Gear Solid, vous voyez. Et puis, c'est vrai que Hideo Kojima a toujours eu quand même des idées un petit peu cheloues parfois, donc. Il aurait pu mettre Super Mario Bros, hein, on sait jamais avec lui. Hein. C'est parti. Bon, pour l'instant, je suis toujours devant, ça va. Ça va, l'honneur est sauf. Quel succès remporte-t-on en faisant l'amour dans Fable 2 ? Ça y est, il recommence avec les succès. Bon, on va mettre Love Machine. Donnez votre réponse. Parce que Pompadour ou Paragon, bon, ouais. Love Machine, ça me paraît le plus cohérent avec la question. Ils ont tous mis ça. Alors, est-ce qu'ils le savent ou est-ce qu'ils... Ouais. À mon avis, ah oui, t'es genre, j'ai débloqué un succès. Suite collective. Ah bon, on a probablement fait une suite tous les quatre ensemble, tiens. On est bientôt à la fin, Steel Rider. Bah si, parce que probablement que la dernière question sera x3. Il suffit que je me gourre et qu'il réponde bon et c'est dead. Avant, dernière question, la 30-36. Combien de points rapporte l'explosion? Mais encore Zaxxon, faut qu'ils arrêtent avec ça. Putain, j'en sais pas. Je mets la protection, je peux pas, putain. Mais si, c'est bon, voilà. Protection. Comment tu veux savoir ça, quoi? La bonne réponse. Et sérieux, pour la prochaine session, je vais rebrancher. Oh, nickel, il a faux. Là, il doit être deg. Là, il doit être deg. Il est temps d'éliminer. Et pour la prochaine session de 1 contre 100, je rebranche l'Atari 2600 et je rejoue à Zaxxon, quoi. D'accord. Sérieux, mais je l'ai ce jeu. C'est ça le pire. Je l'ai. Énorme. Je vais me refaire une bonne partie de Zaxxon pour voir un peu en quoi ça consiste. Et comme ça, je pourrai répondre. On a eu quand même deux questions sur ce jeu-là. Ah voilà la question, la fameuse question bonus x3. Compte ou double? Triple ou double? Enfin un truc comme ça, qui a développé le Kingdom? Oh j'en ai aucune idée, et je suis donc dans la merde. Donc je réponds directement, totalement au hasard. Veuillez répondre. J'en ai aucune, pas la moindre fichue idée. J'ai répondu Samurai Fly, Steel Rider, il a mis la protection, il sait pas si c'est bon, franchement non c'est pas bon, mais c'est pas grave. Oh putain j'espère qu'il va pas me... Non c'est bon, il peut pas me niquer. Il peut pas me niquer. Il aurait peut-être pu me niquer s'il avait répondu juste. Eh bien voilà, premier le King. Non, sérieux, j'ai eu de la chance. Non, là, j'avoue, il y a quand même beaucoup de questions auxquelles j'ai répondu au hasard. Non, c'est vrai, il faut le dire. Je pense très honnêtement que Steel Rider méritait d'avoir la première place parce que j'ai vraiment fait au hasard. J'ai vu presque 40 000 quand même, c'est beaucoup plus que la dernière fois. Donc, second, Steel Rider. Ouais, allô. Troisième Zygomar et quatrième Naito Santès et quelqu'un est en train de parler. On a un qui a remporté la partie magnifiquement. Bravo à lui. Je crois que c'est Zygomar. Bravo Hooper si tu m'entends. C'est Zygomar. Ouais, t'es bien le King, hein, y avait rien à faire. Et Naito par contre c'est un petit peu la loose hein quand même. A très bientôt à tous. Ciao. Merci Zygomar. Merci Hooper, merci tout le monde. Voilà, donc c'était Zygomar. Qui m'a un petit peu félicité, oui, et qui nous expliquait que Naito c'était pas le top. Et donc voilà, ensuite on a les niveaux qui s'augmentent. Ah, mais ils sont que niveau 2 les autres. Okay, oh là là, mais en fait ils ont jamais joué. Encore moins que moi. Ah, j'ai essayé de rien acheter hein, jusqu'au bout, mais bon, voilà, le Hooper a été plus fort que tout le monde. Y'a rien à dire. Ah, y'a rien à dire. Moi je suis PC, puis voilà, c'est tout. Répondre correctement est très important, mais ce n'est pas tout. Ah, il a montré qu'il nous a montré que c'était le King of the World. Gagner des primes supplémentaires en obtenant une série de bonnes réponses et récolter des primes Knockout Mafia en éliminant des joueurs mafia. Presque au niveau du Hooper. Ah, presque au niveau du Hooper. J'ai essayé de tenir un petit peu... Comment être le numéro 1? Comment dire, de rattraper, mais il n'y a pas eu moyen. À chaque partie, nous sélectionnons les joueurs selon les points de la saison, de la semaine ou ceux de la dernière partie. Gagnez ce jeu, acceptez ce défi. Il a été plus fort. En tout cas, bon, merci. Ouais. Au jeu 1 contre 100, les joueurs ayant le plus de points parmi la foule gagnent des prix. Et sur scène, soirée. Le numéro 1 et la mafia rivalisent pour grimper dans l'échelle des points. Plus de 10 000 points Microsoft. Eh bien, moi également, je vous souhaite une bonne soirée. Bon, pour la prochaine fois, il faudra bien faire gaffe de ne pas parler quand il y a les pubs et de parler quand il n'y a pas les pubs, tout simplement.
Eh bien, c'est moi qui vous remercie, Zygomar, Steel Rider et Naito 75. On remettra ça. Si vous êtes intéressé, vous qui m'écoutez, qui me regardez, qui avez vu cette vidéo, pour participer, vous le mettez sur le profil. Je vais privilégier ceux qui participent le plus souvent, soit sur le profil, sur mon compte YouTube, ou qui m'ont mis beaucoup de commentaires, ou les anciens. Mais bon, essayez quand même. Je pense faire peut-être tous les mardis soirs si je suis disponible. Allez, à plus tout le monde, et encore merci à Zygomar, Steel Rider et Naito 75. Je suis sûr que mon Naito, tu feras mieux la prochaine fois. Allez, à plus tout le monde. Bien joué, les gars. C'est ridicule. Veuillez répondre. Ouais, c'est sympa, c'est super sympa. C'est pas moi qui jouais, par contre, c'est ma petite sœur. À la fin, on va te croire. Et la bonne réponse est... Non, j'ai une vidéo à la fin, donc c'est pas grave.